Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Super Mario Odyssey, toujours au pays des de la cuisine ou des délices? Non, pays de la cuisine, c'est ça, hein. Pays des délices. J'invente des noms qui n'existent pas, mais c'est pas, c'est mon côté poète, vous savez. En tout cas, on a fait des trucs. Attends. Attends, non. Je veux récupérer les pièces violettes, s'il vous plaît. C'est ma volonté. Voilà. Non, je les veux toutes! L'inclinaison de la fourchette, c'est quelque chose d'important, vous savez. Hop, on a bien gagné du temps. Un petit skip. Attends. Ouais, on a récupéré les pièces violettes pour pouvoir changer nos vêtements. Mais on n'arrive pas à accéder à la boutique. Donc, c'est compliqué. Ah, mais non! Bah oui, voilà, faut que je renvoie la casquette, forcément. Ah, et on vient là, mais c'est magnifique. Ouais, et la lune, elle est là. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un truc à droite, là. Alors, soit on y est passé... Eh ouais, il y en a encore une, là. Eh oui, non, tu ne m'échapperas pas. Non, petite lune un petit peu cachée, mais non, j'ai vu la façade, j'ai vu l'édifice. Donc, non, elle est pour moi. Et du coup, on repart. Voilà, je ne loupe rien. Enfin, dans la mesure du possible. Et là, on ressort. Mais non, mais je voulais... Bon, je suis encore coincé. Je vous le dis, je suis coincé. Je ne sais pas du tout comment faire pour remonter. Je ne vois pas. À moins que ce soit nécessaire de faire le tour. Probablement. Mais si c'est pas ça, alors ça m'inquiète. Non, mais ça doit être ça. Faut remonter là. Attendez, petit salto arrière. Ah, bravo moi! Mais non! Mais non, mais arrête d'avoir chaud au cul aussi. Mais non, mais... Non, non! Mais je voulais faire un salto arrière, pas un long jump. Mais non. Mario, franchement. Franchement. On commence à bien se connaître, toi et moi. Tu peux pas me faire ça. Bon, ça a pas l'air d'être l'endroit le plus optimisé pour remonter. En même temps, là, je vois pas comment c'est possible de remonter, donc... Comment on peut faire? Attends, il y a une... Ah, mais lui, eux, ils sautent plus haut, j'ai l'impression. Ouais. Oh, mais attends, c'est chaud, il faut que je sorte. Non, je l'ai pas lancé du bon côté. En fait, il faut que je balance ma casquette sur eux parce que eux ils sautent plus haut. C'est pas un délire comme ça? J'ai l'impression, mais ça me paraît quand même peu crédible. Pourquoi? Enfin, ils doivent tous avoir les mêmes propriétés, logiquement. Bon, c'est moi qui dis n'importe quoi, hein, mais. Ou alors c'est pas du tout ça. Ah, mais non, faut se servir de ça pour monter ici. Ah! Mais c'était tellement simple! Mais non, mais remonte pas, toi. Mais remonte pas, je veux sauter sur toi. Mais dès que je vais à un endroit, ça monte. Voilà. On y arrive. Ouf. Ouais, on gagne du temps. Théoriquement. On effraie. Ah oui, ils sont. D'accord, ils ont peur. Mais comment tu sais que c'est Mario? Wouah! C'est quoi les petits cheveux des frères Marteaux là? Wouah! Pardon, excusez-moi. Oui, c'est bien connu. Lancer des poils sert à cuisiner le fromage. Il paraît. Wouah! Ok. Très bien. Je suis vraiment content d'avoir 8 ans. Hein. Ouais. Et maintenant, que se passe-t-il? Une lune! Par contre, il y a une mouche là et je...
Attends, peut-être que si j'utilise la manette. Non, pas du tout. Est-ce qu'on récupère la lune tout de suite? Oui, c'est toujours ça de prix. J'ai l'impression que ça va désactiver un truc ou. Enfin, mettre un pont, je sais pas, un truc comme ça. Du coup, activer plus que désactiver. Sous les frochets. J'ai pas compris le jeu de mots. Et là, ça soulève bien un pont, un truc comme ça. Ouais, voilà, une plateforme quoi. Ah oui, d'accord. Pas juste un. Ok, pas un simple petit pont. Plongeons dans la marmite du Fruno. Mais moi, je veux ma tenue de cuistot, hein. Je veux faire top chef, moi. Tiens, déjà, petit checkpoint. Ok. Normalement, s'il n'y a pas d'embrouille. Voilà. Parfait. Et on va pouvoir aller à la boutique. Avec 24 pièces, ça devrait aller, à moins que ça coûte 15 et 10. Non, ça coûte 5 et 10. C'est parfait, ça. Je me change. On a quoi d'autre? Assortiment de légumes. Une petite tenue de peintre également. Bon, qui coûte beaucoup plus cher, donc on va laisser tomber. En tout cas, le petit béret, il m'a l'air bien sexy. Donc, on repasserait bien là un jour pour l'acheter. Enfin, il faut des pièces violettes de ce monde-là, donc. Bon. Compliqué. On a reçu de nouveaux articles. Ah, déjà la lune! On n'a pas encore acheté la lune de ce monde-là. Bah oui, on vient juste de passer à la boutique. Donc, forcément. Ça fait une lune de plus et il m'en reste combien du coup à choper? Il m'en reste encore 10. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre? Ok, des tenues de clown. Non, d'accord. Je trouve ça. Non, c'est pas mon délire. Ok. Alors je sais qu'il y a un boss, mais non, on va pas prendre le. Ah non, il m'en faut plus que 10 là. Attends. Attends, merde. Forcément, si je skip les écrans, je peux pas trop voir. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il en faut 12 encore. Il en faut 12. Ça fait encore un navet doré, ça? Ouais. Et si on. Ah, mais maintenant que je suis en cuistot! Ah, bah maintenant que je suis en cuistot, on y croit. Je vais pas encore avoir une lune. Ouais, une fausse, quoi. Une contrefaçon. Ok, une du marché. Ah, mais par contre, je vais pouvoir entrer ici. Maintenant que je suis en cuistot. Eh oui! Rentrons! Je sais pas ce qu'il va faire, mais il y a quelque chose à faire. Ouais, il va falloir ramener des ingrédients. Ou alors c'est juste pour faire joli. Alors mieux vaut sauter dessus, hein. Ah non, ça change rien, ok. Aïe, 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 aïe. Ça fait très mal. Mais ouais, mais si je vous tue là, en fait, je peux pas sauter après. Vous pouvez revenir à la vie, s'il vous plaît? Non, vous pouvez pas. D'accord. Ah! Mais non, mais non, mais. Par pitié. Mais vas-y, respawn pas! Mais c'est quoi ces ennemis qui respawnent jamais? Mais non, mais. Je suis condamné! Bah voilà. Non, mais sérieux. Vous voyez pas ce que vous me faites faire, hein? Ça vient là, voilà, toi t'es mon bro. Ok, il faut surtout pas les tuer en fait. Et bah c'est loupé, génial. Ok, bon, au moins ça nous a permis de monter. C'est déjà ça. Non mais il faut que je prenne une autre forme là, c'est pas, je peux pas. Pourquoi il y a des pièces là? Non! Mais genre! J'ai pris l'angle! L'angle doit m'accrocher! Mais non! C'est pas vrai! Mais ils ont acheté l'arbitre! C'est pas possible! Non, 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 y a une embrouille! Non! Pas un long jump! Non! Non! Tout mais pas ça!
Mais comment tu fais pour pas comprendre? Voilà. Par contre, l'autre, comme par hasard... Comment tu veux que je remonte? L'autre, il est pile là où je suis. Ah non, non, mais je suis au bout de ma vie, là. Voilà, damage boost. Non, non, non. Ok. Alors, la technique, c'est ça. Puis... Non, 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 non. Mais, je... mais c'est pas vrai. Ouais. Mais non, mais... En gros, t'es obligé d'avoir 2 points de vie pour remonter parce que t'as 100% de chance de te faire tabasser. Oh non, mais ça, c'est bullshit, ça. Pourtant, la première fois, il m'a pas fait de dégâts, je comprends pas. Ah, mais j'avais pris des dégâts au moment où je suis remonté, je crois. Enfin, c'est même sûr, j'avais pas le choix. Attends, faut que je les fasse péter là. Super, je suis content. Puis Mario il court comme un débile forcément. Si tu me fais tomber. Voilà. T'en vas, la sortie est là. Mais qu'est-ce que je fasse d'autre? Ah, il faut lui... Ah, il faut le tabasser pour sauter. C'est ça? Mais non. Mais non, c'est pas vrai. J'y crois pas. Non. Sans déconner là. Attends, faut pas sauter dedans? Non? Ah non, ça pique. Mais d'accord. Vas-y, je me suicide. Ça ira plus vite. Parce que si j'ai que 2 points de vie ici, ça sert à rien. Parce qu'on perd 1 point de vie sur les 2 premiers là, puis sur celui qui est en haut. Donc si j'ai que 2 points, il faut arriver avec 3 points de vie, y a pas de choix. Mais je comprends pas ce qu'il faut faire du coup, je comprends rien. Pour qu'elle prenne du coup, le problème c'est que le feu n'est pas encore assez fort. Un soupçon de lave pour porter le cuisson. Un soupçon de lave. D'accord. En gros, il faut que je les mette là. Et que la lave, elle tombe. Mais elle tombe pas, la lave. Mais elle tombe pas, la lave. Elle va pas en dessous, la lave. On se comprend pas, hein. Oh, oh, oh. Je l'ai fait sans prendre de dégâts. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah si, je les ai pris les dégâts finalement. Tout compte fait. Ok. Je suis en vie, je suis en vie, je suis en vie. Il paraît. Mais comment j'amène de la lave ici? Je peux pas les contrôler. Faut les mettre là, non? Bah non, marche pas. Fais rien. Je comprends rien. Ça les fait pas venir. Ouais. Mais genre. Mais genre, ils se cognent entre eux, ça fait rien. Ok. Mais la lave, elle tombe pas. Ils peuvent pas tomber dedans, donc je comprends. Cette histoire de lave, c'est n'importe quoi. Bon, vous savez quoi? Je meurs, voilà. Laisse tomber. Je crois que j'y arriverai jamais. Je le ferai dans 150 ans. Ouais, 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 à la prochaine. Hein. La tenue de chef, ça valait le coup. Franchement, gros détour. Hein. Bon, c'est pas très grave. Au final, j'ai grave perdu mon temps.
ça qui est le plus dommage. Du coup, on remonte par là. Bon, au moins, cette fois-ci, le chemin, on connaît. Ah, pardon. Mais mille excuses. Ok. Allez, on part par là. On a toute notre vie. J'ai pas l'habitude. Ça fait tout. Ça me fait tout bizarre. Ouais, à mon avis, il faut balancer une flamme là-dedans. Et ouais, pour allumer le feu. Et c'est carrément une lune. D'accord. La petite torche. Très sympathique. On part par où? On repart comme ça, ouais. Quand on a un doute, hein, écoutez. Ah, attendez, là, il y a... Ah, mais comment on... Là, le mur, il glisse, je peux pas faire un... Ah, si. Ah, si, attendez. Non, bah non, ça suffit pas. Attends. Si je fais... Non. Bon. Laisse tomber. Mais non, j'ai dit laisse tomber, tout ça pour prendre des dégâts, mais... Quel calvaire. Quel calvaire, le pire monde du jeu. En plus, je déteste la piste d'hélice de Mario Kart 7. 8. Mario Kart 8, pardon. Ouais, je suis un peu arriéré, donc... Mais non, mais casse-toi. Attendez, vous croyez que c'est une lune ça? Non, juste des pièces. Tout ça pour des pièces quoi. C'est que de l'argent. Après tout. Ça par contre c'est du fromage. Ah on peut pas... Ah non, il faut être en frère marteau pour... Ah ouais, il faut être en frère... Enfin en frère... frère poil quoi. Ah par contre il y a une petite salle là. Une petite salle peut-être sympathique. Oh, je sais comment je vais appeler la vidéo, hein. Je vais l'appeler cauchemar en cuisine. Ouais mais c'est quoi cette plateforme visqueuse qui bouge? Tout va bien. Est-ce que quand elle bouge... Ok, je bouge avec. Bah mais je peux pas... Comment tu veux que j'amène un truc là-bas? Ça devient grave là. Là, mon niveau devient très grave. Oh, j'y crois pas. Mais non, mais... Je loupe tout! Oh, quand même. Généra vif. C'est pas vrai. Non mais avec toutes les pièces que j'ai perdues, je pourrais m'acheter un deuxième maillot de bain. Non, il faut aller à celle-là. On fait pas le con. Voilà. Bon. Non, mais non, c'est tellement pas ce que je voulais faire. Il court vite. Faut traverser. Ok, alors là je la sens tellement mal. Mais non, mais c'est l'arnaque la plus totale ça. Et en plus comme... Oh non, je vais tellement faire ce qu'il faut pas faire. Après si je prends mon temps ça va mais... Et si je sautais pour aller là-bas? Non, pas du tout. Bon, les pièces qui sont là, on s'en fout, à moins qu'il y ait une lune, mais il n'y en a pas. Je crois que là, il faut appeler un spécialiste, parce que j'ai des sérieux problèmes. Non mais... Bon, il faut que je mette des lunettes.
Définitivement. Pour y voir mieux. Là, ça devrait être beaucoup mieux. Là, ça devrait être beaucoup mieux. Là, je vous le dis, on fait le niveau d'un seul coup. Je vous l'annonce. En prenant des risques. Non, pas du tout. Mec est devenu full taré. Allez, tout droit. Boum. Turbo. Le goût du risque, le danger. Mais en vrai. En vrai. Wouh. Ouais. 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 Oh, c'est beau ça. C'est les lunettes qui font la diff. C'est grâce à elles. Magnifique. Très bien. Ah, ça soulage. Parfait. Ok. Et on arrive là. C'est très bien. Tiens, on va récupérer ça. On va récupérer ça et on va essayer... attendez, on va prendre position du frère marteau. Non, 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 viens là toi. Non, non, mais saute, par, saute vers moi, s'il te plaît. Voilà, parfait. Il saute loin. Ah oui, il saute. Ah oui! Ses facultés de saut sont correctes. Attendez, parce que là, à mon avis, il y a un truc sympa. Un AV. Ouais. Incroyable. Non, 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 pas toi. Mais tu veux que je mette où? Ah, doit y avoir une marmite à 300 000 km, non? Oh. Attends. Je vois pas où. Quoi? Je suis tombé? Ah bon? Ok. Ah! Bah ouais, je suis tombé deux fois même. Bon, l'avantage quand il y a un mur, c'est qu'on... On se fait pas avoir par... Dégage! Dis-moi qu'il y a une marmite quelque part et que je fais pas ça pour rien. Alors là, il n'y avait pas de lune. Oh, je fais ça pour rien. Oh, je fais tellement ça pour rien. Wouah! Je fais des sauts avec un radis sur moi. Unique au monde. Ok. On laisse tomber le radis. Oh, là, tellement brain. Bah écoutez, on va en rester là avant de faire une connerie. Je pense que c'est mieux, parce que je sens que je commence à dérailler. On va en rester là pour cet épisode de ce Let's Play sur Super Mario Odyssey. N'hésitez pas, encore une fois, à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis, ça aide la chaîne, donc franchement, n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien. C'est pareil pour l'abonnement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a encore beaucoup d'autres vidéos sur Super Mario Odyssey qui arrivent. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.